Bon, les copains, je suis à l'aéroport. L'aventure peut commencer. Bon, avant tout ça, il a fallu, bien sûr, préparer les valises et profiter des derniers moments. Et je pars à 6h55. J'ai trop hâte. Attendez, je fais le truc à la YouTube. J'arrive pas. Par contre, je suis habillée pour les conditions du Canada. Donc là, mais je crève de chaud en fait. C'est horrible. On peut se regarder la catastrophe qui m'est arrivée. Un oncle en moins. Deuxième vol aussi. J'espère que je vais voir le lever du soleil. Ce serait iconique. Voilà, j'ai mon petit coussin. Je peux dormir. Bon, j'ai qu'une heure de vol là. Donc, je m'en bats un peu les couilles. Normalement, je suis pas si bête que ça et je sais où est la porte que je dois prendre. C'est B46. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut que je trouve parce que l'aéroport est immense. J'ai l'impression que c'est interminable. Le truc, il est trop loin. Je suis essoufflée. J'en peux plus. J'ai trop chaud avec mes vêtements thermiques. Je viens d'avoir le peur de ma vie. J'ai paniqué là. Genre la meuf elle me demande mon ArriveCan, donc c'est mon anti-Covid en gros du Canada. Et genre je vais sur l'application, il y est plus, genre il s'est effacé. J'étais en mode... je commençais à paniquer, j'étais en mode... Je savais plus parler anglais parce que du coup je parle pas allemand, il faut que je parle anglais. Et elle m'a regardé, elle était en mode mais vous avez un screenshot? J'étais en mode putain oui, oui oui oui. J'ai paniqué, j'ai cru que là c'était mort, je retournais en France, j'ai paniqué. Mais tout est bon, j'ai mon billet, je vais pouvoir embarquer. Oh my god, il faut que je vous montre. Mais c'est trop bien. Alors là, attention, vous allez assister à la plus débile des meufs. J'ai un avion de luxe en fait. Choquée. Et la vie, je suis trop choquée, je vais être dans un truc comme ça. Je crois que c'était une fausse joie. Là, il y a des sièges normaux maintenant. Je crois que c'était les places premium, genre. Enfin, les riches. Je suis deg. Du coup, c'est pas du tout ce que je pensais. Rien à voir. J'ai un petit écran. Bien, j'en ai rien à foutre. Tant que j'ai mon hublot, je m'en fous. J'ai pas du tout l'impression que je vais au Canada. Je m'en rends pas compte. Je vais mourir. C'est quoi l'heure?
que je dois. Il y a un vélo à côté de moi. Déjà, il m'a accosté quand on est arrivé dans l'avion. Déjà, je crois qu'il est russe et tout. Et il m'a accosté en mode ouais, tu t'appelles comment? Tu vas pourquoi? Nanana. Ok, c'est sympa, je vais faire connaissance. Mais frère, j'ai mes écouteurs, j'ai pas envie de te parler. Et genre, j'ai vraiment mes écouteurs depuis le début qu'on est dans l'avion. Genre, j'ai pas envie de parler avec les gens et puis lui, il est chaud. Là, il a 3 verres, 1 verre, qui est un peu plein. Ça fait au moins la quatrième petite bouteille de vin rouge qu'il boit. Il pue en plus. Le mec, il me parle, il pue la gueule. Genre, il m'a apprécié pour me dire, ouais, tu regardes quoi? J'étais un Black Widow. Il me dit, c'est intéressant. Il m'a dit un truc, j'ai pas compris. Et genre, il m'a dit, c'est intéressant pour toi. J'étais là, oui. Du coup, je suis un peu gênée, genre, chelou. Et il arrête pas de m'accoster, de me parler. Alors que j'ai mes écouteurs, genre, tu vois bien que j'ai pas envie de parler. Je peux plus me saquer. Il pue, mais ouais. Oh mon, son vin là, il pue la mort. Genre, frère, tu joues à quoi? Je suis sortie de l'avion, enfin. Je me crois dans un film. Non mais je vais hurler. Je suis en train de prendre mes bagages. J'ai sorti tous mes papiers là pour la douane. Je savais pas ce qu'il fallait, j'ai tout sorti. Le mec il en avait rien à foutre. Ma prof elle est grave en mode la douane, c'est hyper compliqué. J'espère que ça, bref. Fous la pression de ouf. Je te jure que le mec, genre j'étais en mode il vous faut quoi? Genre je lui donne. Il était en mode c'est pour les études. J'étais en mode oui, tu restes combien de temps? Il m'a juste dit c'est qu'à l'école, je lui ai dit et je lui ai montré en fait ma lettre d'admission, mais ils sont battés les couilles. Du coup, faut arrêter toute la pression comme ça aux élèves alors que y a rien quoi. Je sais pas comment poser ma caméra. Bon, voilà. Du coup, là j'attends ma valise. J'espère ne pas me perdre avec le bus. J'ai pas trop étudié le truc, mais ça devrait le faire. Ça va être trop bien. Du coup, voilà, là, je sais. Mais du coup, j'ai pas compris si. Mais. Est-ce que mais je fais pas. On m'a pas sélectionné pour faire un test, du coup. Je suis en train de réagir. On m'a pas dit d'aller faire la queue pour que j'aille faire un test. Bah, tant mieux. Genre, j'ai eu un papier, mais. Ah non, je crois que je le fais pas. Je sais pas où c'est en fait. J'ai vu personne aller faire un test. Bon. Bah, on va dire que tant mieux. Ça m'arrange, comme ça je peux traîner. Coucou les gars! Bon, alors, update. Parce que du coup, je vous ai pas redit, mais je suis bien arrivée. Enfin, si, je vous ai dit que j'étais arrivée. Je suis bien arrivée. Il y a de la neige. C'est génial. Je suis dans mon petit Airbnb. Je vais vous faire un petit room tour. Ça fait plus d'une heure que je suis là, mais j'ai trop la flemme de tout. Mais je vais me bouger un peu parce que j'aimerais bien aller visiter. Donc, petite entrée. Une première chambre. Une deuxième. Trop belle pour sortir. Regardez les interrupteurs. La préhistoire ou quoi? Bref, allez, c'est parti, je me casse. Je vais aller visiter un petit peu. Et regardez comment c'est beau.
Il fait beaucoup, 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 beaucoup trop froid. Je me les gèle là. C'est horrible, j'ai mes cils. Non, on y voit, vraiment. Mes cils sont tout blancs. Il fait trop froid, je vais rentrer chez moi en fait. Par contre là, faut que je retrouve ma rue. Parce que j'ai fait la folle là à partir, sauf que je sais plus où j'habite moi. Et je sais pas comment je vais faire. Je supporte pas le froid. 9, 9, 60. Et je tire. Pourquoi ça marche pas? 9, 9, 63. Ça marche pas frère. Pourquoi je suis sortie de chez moi? Ah parce qu'il y a un hashtag. Je suis comme hashtag 9, 9. Oh, je me suis trompée. Je vais péter un câble. Hashtag 9. Ah c'est bon, j'ai réussi. Moi je veux du soleil. Ah, non mais frère. Ah, je peux plus. Ah, j'ai trop froid moi. Ah. J'ai envie de pleurer, je vous jure. J'ai trop froid, j'ai trop mal aux mains. Ah, j'ai trop mal. Oh my god. Oh putain, merde, j'ai Halloween. Oh, mais non, il y a mes converses ici. Oh putain de merde. Frère, je vais canner. Les premières courses. Qu'est-ce que je goûte comme céréales? Fruity shake. Je sais même pas ce que. Allez. Ça va goûter les fruity shake. Des yaourts, du beurre, des pâtes, des céréales. Et à quel moment je vais me nourrir pendant 9 jours avec ça? Bah, coucou les gars. Bon, je viens de me lever. On va à la patinoire. Regardez, il neige. Oh, je suis pas sûre de voir. On est sur un outfit beaucoup plus beau qu'hier parce que comme d'être moche, c'est chiant. Col roulé noir, petit pull friends. Normalement, je devrais pas avoir froid. J'espère pas. J'espère que mes céréales vont être bonnes. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ça a un goût trop chelou. Je vais prendre ma GoPro pendant que je patine en espérant que rien de grave ne se passe. Non, 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 je vais pas tomber. Je vais pas tomber, je sais patiner, t'inquiète. Genre, regarde ça.
suis pas très à l'aise sur la piste, mais on se débrouille, écoute. Je fous sûrement la honte, parce qu'à côté des Québécois... Je ferai le pomme au ski, c'est trop drôle. Ah bah, j'ai jamais fait de ski, je peux pas te dire. Je vais t'apprendre le ski aussi, alors. Eh bah, c'est parti. J'apprendrai le ski. Je te jure que si je t'apprends comme j'ai appris le ski, en une journée, je sais skier. C'est vrai? En une journée. Eh bah, vas-y, hein, faut qu'on fasse ça. Ah, mais y'a plein. Oula, 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 oula. C'est bon. J'adore ma vie actuellement. Ah non, je suis dingue, vous avez tout loupé. J'ai éteint ma GoPro. Juste après l'avoir éteinte, j'ai failli me casser la gueule, un truc de ouf. Genre vraiment, j'ai fait un tour sur moi-même. C'est ridicule. Du coup, je vais continuer à filmer parce que s'il m'arrive la même chose, ça va être drôle. Parce que du coup, là, je suis plus accrochée à Joy. Donc la sensation n'est pas la même. Mais en vrai ça va. Je pense que... Non en fait... Je vais dire, je pense que je suis fatiguée. Je crois en fait faut que j'arrête de me concentrer sur la GoPro. Parce que sinon, ça peut faire n'importe quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en... Moi je passerai pas. Si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, allez te faire en... Ça va faire une heure, ça l'a fait. J'ai poli pour la télé. Go goûter. C'est trop bon. Ouais mais j'en mange pas chez moi tu vois. Je te jure. J'adore. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. C'est 17h, il fait grave nuit, donc vous me voyez pas, mais je rentre chez moi. J'étais chez Joy et Fleur, genre on a été 2h à patinoire, on avait trop faim à 14h, donc on est allé prendre un McDo, sauf qu'en fait on n'a pas pensé qu'on pouvait pas manger à l'intérieur vu que avec le Covid tout est fermé, donc du coup on a dû se taper tout le chemin inverse, genre fallait qu'on rentre chez nous. Sauf que on avait grave une demi-heure. Et au final notre McDo était froid. Joy elle a oublié mon coca, elle l'a posé. Genre je lui ai demandé qu'elle me le tienne pour que je prenne mon portable et regarder le GPS. Elle a oublié mon coca sur un muret. Une grosse galère. Donc on n'en pouvait plus, on est rentré. On avait trop froid. Coucou les gars. Bon, aujourd'hui le programme c'est shopping. Parce que du coup, ça fait depuis mardi qu'on dit qu'on va faire des magasins et qu'on ne fait rien. Je vais bientôt rejoindre Fleur et Joy pour, parce qu'il y a des magasins apparemment à côté de chez elles qui ont l'air bien. Et après, on va aller dans la ville souterraine. Genre, c'est vraiment une ville. Ça... Il y a des patinoires, des musées et tout à l'intérieur. Il y a 1700 boutiques, il y a des hôtels, des apparts et tout. Enfin, genre, truc de ouf. Et c'est pas très loin, c'est à 20 minutes, même pas en métro. Du coup, on va aller là-bas pour faire les boutiques. Et en même temps, vu que les restos, genre, c'est ouvert, mais tu peux pas y manger, genre, tu dois prendre qu'à emporter. Et ben, vu que ça sera dans la ville souterraine, on sera au chaud et on va pouvoir manger au chaud. Tu fous pas le souk, j'avais pas prêté ton lit. Comme besoin de ta mère. En plus, j'ai pas envie de sortir. Je te jure. All the leaves are brown, and the sky is gray.
Je vais essayer des bombes. Immense. C'est un truc de ouf. Waouh. Of the moon, can't sleep. It's 5 a.m. my time again. I'm calling and you know it's me. I'm pushing myself further. I'm just trying to feel my heartbeat beat. Là, on est parti en direction de la poutine. On va aller manger de la poutine. Parce que l'autre jour, j'ai mangé de la poutine du McDo. Non, c'est vraiment pas ouf. Du coup, là, on va aller en manger une vraie, une bonne. Et j'espère que ça sera bon, quoi. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good, I have to. Coucou, je suis rentrée de ma journée. Alors, j'en peux plus, je suis crevée. On a trop marché. On n'a pas du tout été à la ville souterraine comme c'était prévu. On a été voir. Une expo, ou enfin, je sais pas trop comment on appelle ça. C'était trop beau. Et après, du coup, on a été manger de la poutine. Ouais, ça va, c'est bon, mais moi, ça m'écœure de ouf. Et en plus, j'ai un petit appétit et c'est trop gros et tout. Mais bon, ça va, c'est pas dégueulasse. Mais je le mangerai pas tous les jours, clairement. J'ai un énorme problème. Marie, elle va me défoncer la gueule parce qu'elle m'a dit « Prends des pansements !» J'étais en mode « Bah, pourquoi faire ?» Mais elle dit « Bah, je sais pas, t'es tout le temps en train de te blesser. » Alors que pas du tout. Mais en fait, j'avais pas pensé que je n'avais plus l'habitude de marcher H24 avec des docks. Et du coup, là, mes pieds, ils sont en sang. Mais quand je dis ils sont en sang, c'est pas une expression. C'est genre, j'enlève ma chaussure, je vois, j'ai une tache de sang sur mon pied. Donc je sais que j'ai une ampoule. Pourquoi je saigne des orteils alors que j'ai pas mal, hein? Genre, je sais, enfin, genre, je sentais que j'avais mal aux pieds et que j'avais des ampoules. Mais je pensais pas à ce point. Oh là là. Ah non! Une photo devant la roue. De toute façon, je vous montre, mais en fait, c'est même pas net. Bref. Sympatoche. Elle m'a pris une photo là aussi. Je suis mignonne aussi. Je me trouve chou. Voilà! Bref. Bonne nuit, les bitches. Et on se retrouve demain. Ce matin, c'est petite visite de la ville. Bon, comme tous les jours en fait. Mais là, on fait le centre-ville. À 13h30, on a notre visio pour découvrir les gens du collège La Flèche. Il y a un petit vent aujourd'hui, c'est pas très agréable. Il fait un petit peu frais. J'ai des courbatures partout, les pieds en sol.
se faire, mais je crois. Bon, bah, j'ai un petit peu envie de canner. Je suis grave crevée aujourd'hui, genre, ça me met KO de marcher dans le froid et tout. Et je pense qu'il y a le décalage horaire, là, qui commence à faire effet, parce que, genre, je le sentais pas trop les premiers jours, parce que je pense que j'étais tellement dans l'excitation du truc que je m'en battais les couilles. Mais là, là, je commence vraiment à être crevée. Et il y a Fleur et Joy, elles allaient à la ville souterraine, du coup. Et elles ont proposé, genre, je leur dis, ouais, vous partez quand? Elle me dit, dans 30 minutes, là, à peu près. Sauf que, bah, du coup, je leur dis, bah, vas-y, moi, je suis chaud pour venir avec vous, du coup. Et, genre, elles ont j'ai répondu ça 2 minutes après. Il n'y en a aucune des deux qui m'a répondu. J'ai renvoyé un message après, en privé, à chacune des deux. Il n'y en a aucune des deux qui m'a répondu. Sauf que, bah, du coup, genre, elles se sont cassées. Et elles ont prévenu, enfin, genre, elles ont prévenu, tu vois, qu'elles allaient partir, mais on n'habite pas au même endroit. Genre, quand tu te dis je pars dans 30 minutes, bah, dis-moi où on se rejoint et tout. Et du coup, je sais même pas si elles sont vraiment parties, puisque j'ai pas eu de nouvelles. Donc, bah, elles se sont cassées à la ville souterraine alors que je voulais venir avec elles et que, bah, elles se sont battues les couilles. Mais du coup, là, genre, je suis dépitée parce que, bah, genre, je suis fatiguée, je suis crevée et tout. Et bah en plus on fait des faux plans, genre ça me casse les couilles, genre je déteste ça. Ça me gonfle. J'avais oublié que en Amérique, enfin genre aux États-Unis et ici, t'avais des taxes. Et putain mais il va vraiment commencer à faire nuit là. J'avais oublié que quand t'achetais quelque chose, bah ça te revenait toujours plus cher parce que t'as des taxes à payer. Genre là j'ai été acheter des gants qui étaient à 14$, des sous-gants, 14$, et bah du coup je les ai payés plus de 16$, donc ça me fout ça, et c'est ça pour tout. Genre hier j'achète un espèce de yaourt glacé et tout, qui était écrit à 2,99€, et genre je le paye, je vois c'est écrit 3,34€ et tout, j'étais en mode, mais madame c'est pas ce prix là, et elle me dit, si mais il y a les taxes, j'étais en mode, ah oui c'est vrai les taxes, vraiment ça me déprime. Du coup, genre, tu vois, l'autre jour, on voulait prendre de Uber Eats. Sauf qu'en fait, ça te rajoute limite 10€, vu que t'as la livraison, les taxes, t'as même les... Genre, ils te mettent des pourboires, parce que eux, chez eux, genre, ils vivent de pourboires, et du coup, tu dois leur donner des pourboires, même si t'as pas envie, hein. Je crois que ça te met automatiquement des pourboires pour les gens, genre. Ah oui, vous avez vu, j'ai vu des petits écureuils. C'est vraiment trop mignon. Je meurs pour les écureuils. En plus, il y en a un, genre quand je les prenais en vidéo, genre ils partaient en courant et au bout d'un moment, j'ai arrêté de filmer et genre j'ai juste tendu ma main comme ça et il est venu jusqu'à ma main, mais j'ai pas pu, genre je voulais le caresser mais vas-y, après ça part en courant. Du coup, il m'a genre reniflé la main, mais il était vraiment tout proche. C'est trop mignon. Vraiment, je veux un écureuil. Je comprends pas comment les Canadiens ils peuvent détester les écureuils comme nous on déteste les pigeons. Frère, ça n'a rien à voir, un pigeon c'est laid, ça fait peur. Allez, marche. Eh, je vous jure, ça me fout la haine. Vraiment, les gants tactiles qui marchent pas. Ah, c'est bon. C'est moi, salut. J'ai envie de canner, vous ne me voyez pas, mais je suis revenue par la pire direction. Je suis en train d'avoir trop froid. Oh mon dieu! Il fait trop froid, j'en peux plus!